Oui, j'ai une petite sœur. J'en ai même deux. Quand je déballe ma vie à des gens, parce que j'aime déballer ma vie à des gens, et que vient ce moment, sinon, est-ce que t'as des frères ou des sœurs? Oui, oui, j'ai deux petites sœurs. À ce moment-là, le mec ou la fille a généralement deux réactions très distinctes. Ah, bah c'est cool, c'est bien. Ou alors, ah, deux petites sœurs. T'as vraiment pas de bol. Ah oui, j'avais oublié, il y a aussi une troisième réaction possible quand le mec, ou la fille encore une fois, a encore moins de chance que moi. Ah, ok. Moi, j'en ai quatre. Quatre? Ah, ça va. Hello, darkness, my... Comment vous faire une vidéo avoir des sœurs sans vous dire qu'on se prend la tête tout le temps? Impossible! Ceux qui ont des petits frères ou des petites sœurs savent très bien de quoi je parle. Un simple truc du style... Vincent, t'as pas une gomme? Non, non, j'en ai pas. Même ça, ça peut dégénérer. Pourquoi tu mens? Maman! Ah non, non, il se passe pas ça, vous vous souvenez? J'ai dit que j'avais deux petites sœurs. Candice, viens m'aider! Voilà, c'est là qu'après ils appellent nos parents. Et évidemment, comme c'est moi le plus vieux, c'est moi qui prends. Ah oui, est-ce qu'on en parle de leur privilège de passer après nous? Bah oui, étant né après nous, ils auront des choses beaucoup mieux que nous on avait à notre âge, et même avant. Je m'explique. Un exemple tout simple. Bon, je vais encore un peu vous déballer ma vie, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, parce que j'aime déballer ma vie à des gens. Donc c'est parti. J'ai eu un iPod à Noël quand j'avais 12 ans parce que mes parents ne voulaient pas avant. À mes 15 ans, je l'ai donné à ma première petite sœur qui en avait 11. Vous commencez à comprendre? Je continue. Ensuite, il n'y a pas très longtemps, elle l'a donné à ma toute petite sœur. La dernière quoi. Qui elle, en a 8. C'est bien ce que je me disais. Ça pue ça. Mais bon, avoir des sœurs, ça a aussi des avantages. Tu peux leur demander des services. Comme par exemple... Marie-Lou, Candice, vous voulez me chercher un Kinder, s'il vous plaît? Non. T'as cru qu'on était des boniches? Ah, ok. Ah, j'étais pas au courant. Ah, vous êtes des sœurs, en fait. Ah. Ah, bof. Allez, et je vous prête mon téléphone. Ok, j'arrive. Même si on sait tous qu'au final, on va pas lui filer. Ah, c'est que moi? Ah, bon... ok. Mais bon, avec mes sœurs, on a beau se disputer, se chercher, faire des combats de catch, on reste quand même frères et sœurs, et je les aime quand même. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires si vous avez deviné combien d'années j'ai d'écart entre ma première et ma deuxième petite sœur. Je sais c'est compliqué, mais normalement vous avez tous les indices dans la vidéo. Normalement. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de partager, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut. Ah bah ouais! On reste quand même frères et sœurs, et je les aime quand même. Même si elles sont chiantes.